Bonjour, aujourd'hui on va traiter une méthode de gestion de stock qui s'appelle 20-80. Voilà, la méthode 20-80, aussi appelée la loi de Pareto ou encore la loi des 20-80, est un phénomène empirique constaté dans certains domaines. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Il s'applique à plusieurs domaines comme le stock, les ventes, le contrôle de qualité, etc. etc. Voilà, donc une loi de Pareto qui dit que environ 80% des effets, voilà, sont le produit de 20% des causes. Et ça, c'est très intéressant, bien sûr. Voilà, donc une méthode très très connue, 20-80, il s'applique à plusieurs domaines. La loi de Pareto. Le principe de Pareto doit son nom à l'économiste italien Wilfredo Pareto, qui à la fin du 19e siècle donc, a analysé les domaines fiscaux de l'Angleterre, la Russie, la France, la Suisse, l'Italie, bien que les niveaux d'inégalité soient variables selon les pays. Pareto a constaté que 20% de la population italienne possède 80% de la richesse nationale, donc une remarque très forte donc, à l'époque, à la fin des années... À la fin du 19e siècle, voilà, un économiste italien qui s'appelle Pareto, voilà, a constaté donc une remarque intéressante, 20% de la population italienne possède 80% de la richesse nationale, c'était à l'époque. Voilà, donc de ce principe-là, donc, on peut tirer plusieurs remarques que on peut appliquer bien sûr donc cette loi-là au niveau de stock. Donc si on veut vérifier par exemple les nombres de produits ou de matières premières qui ont plus de par, de plus de pourcentage par rapport bien sûr donc à ce qui est consommation, ce qui est chiffre d'affaires. On doit déterminer donc les catégories des produits les plus importants qui participent fortement au chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Voilà, c'est celui-là, ce monsieur-là, donc s'appelle Pareto. Voilà, donc à la fin du 19e siècle, il a constaté une remarque très forte, 20% de la population italienne possède 80% de la richesse nationale. En gestion de stock, ça c'est plus important pour nous, c'est la méthode 20-80 en gestion de stock. Le but de cette méthode est d'analyser les stocks selon leur quantité et valeur, et de faire ensuite une classification qui ressortira d'une part un segment d'articles à forte valeur et d'autre part un ou plusieurs segments à valeur plus faible. Voilà, qui nous intéresse bien sûr donc au niveau de la gestion de stock, c'est de savoir les catégories de produits qui ont plus d'importance dans l'entreprise. Donc en gestion de stock, l'entreprise s'intéresse fortement à donc au chiffre d'affaires des produits commercialisés en valeur, c'est normal. Donc cette entreprise s'efforce bien sûr pour avoir un chiffre d'affaires énorme. Deuxième chose, c'est à la consommation annuelle des matières premières. Donc imagine l'entreprise qui consomme plus de matières premières catégorie A autre que catégorie par exemple catégorie P ou C. Donc c'est normal, donc il va octroyer plus d'importance à la catégorie où il y a bien sûr donc plus de décaissement d'argent. Voilà, l'entreprise va s'intéresser à l'argent bien sûr, parce que si on consomme une matière première avec une forte avec une, un fort décaissement bien sûr d'argent, ça c'est très intéressant par rapport à une matière première qu'il consomme pour l'entreprise que qu'il coûte zéro. Bien sûr, pour bien comprendre donc les choses, donc on va faire une application simplifiée. Et l'entreprise commercialise des références de produits industriels. Les dons et chiffres d'affaires réalisés donc en 2015 se résument ainsi. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc on a des articles donc voilà, sont codés de A jusqu'au G, A, B, C, D, etc. Et voilà le chiffre d'affaires en euros, en kilo euros, pas en kilo dirham. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, pour adopter une analyse 20-80, donc le premier travail à faire, c'est voilà. Donc, on va faire une certaine organisation des articles par un ordre décroissant. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a toujours par rapport au chiffre d'affaires le plus grand H32880, donc T27120, C10080, E1500, F900, I840, G630, A630, P donc 300 et G150. Voilà, donc on va faire
une organisation donc, de notre tableau suivant un ordre décroissant du chiffre d'affaires. Par la suite, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer, bien entendu, donc, le pourcentage bien sûr, de chaque article sur le total du chiffre d'affaires. Donc, on a un total de 75 000 euros. Voilà, donc 32 000 sur 32 880 sur 75 000 euros, ça donne 43,84%. La même chose, donc la même opération, donc pour D, etc. etc. Donc on doit voilà vérifier les pourcentages ici, bien sûr, pour avoir 100%. Voilà, donc 43,84, puis 36,16, 13,44, 2%, 1,2, 0,12, 0,80, 0,8, 0,4 et 0,2 enfin, bien sûr, pour arriver à 100%. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on doit faire le cumulé, bien sûr, pour déterminer les tranches des produits qui ont plus d'importance. Donc, 43,80 plus 36,16, ça donne exactement 80. Alors, remarquez là qu'est-ce qu'on a. Donc, deux produits H et D déjà, et on cumule bien sûr donc un pourcentage sur chiffre d'affaires qui est de 80. Bien sûr, pour faire la sommation donc de ces 8 derniers produits, à savoir 13,7, donc pour 13,44, 2, 1,2, 1,12, 0,84 et 0,8, 0,4, 0,2, ça donne 20% ici. Voilà la différence entre 100 et 80, ça c'est 20 bien sûr pour les produits restants, donc à savoir C, E, F, E, G, A, P et G. Voilà pour donner enfin donc 100%. Voilà, donc c'est une méthode simplifiée. Par la suite, donc on a déterminé les tranches donc des produits H et D, donc 20% des articles. Pourquoi 20%? Parce qu'il y a deux articles H et D parmi 10, donc 2 sur 10, ça donne automatiquement 20% de produits. Donc remarquez bien qu'est-ce qu'on a, 20% des articles ont déjà un chiffre d'affaires de 80% sur d'affaires réalisées par l'entreprise. La vente d'un produit H&T donne à l'entreprise bien sûr un chiffre d'affaires de 80% ou un pourcentage de 80% du chiffre d'affaires. Et le reste bien sûr, donc le reste des produits, à peine ils ont bien sûr donc une participation de 20% au chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc ça sera très normal bien sûr de contrôler une gestion rigoureuse et assez vigilante pour les produits HD, parce que tout simplement en une participation de 80% du chiffre d'affaires, ça c'est énorme quand même. Et voilà, donc 8 sur 10, le reste des produits cumule déjà donc 20% du chiffre d'affaires. Synthèse. Les articles H et D doivent être gérés de façon rigoureuse, c'est très normal. Les autres articles doivent être gérés de façon normale, au courant. Voilà, H et D, donc déjà 20% des articles nous donnent 80% de notre chiffre d'affaires. Et voilà donc la fin de ce tuto pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.